cette route, la route nationale 2, à cet endroit-là pour descendre sur Saint-Philippe, il n'y a pas d'autre route possible, il n'y a pas de déviation possible, et elle est souvent sujette à des chutes de pierres et chutes de blocs. La dernière fois, c'était le jour de l'an. On n'a qu'un seul axe routier, et en cas de grosse chute de blocs, on a la Réunion qui est coupée, on ne peut plus passer d'un côté à l'autre. Donc la région Réunion, qui est l'exploitant de la route, a lancé d'importants travaux de sécurisation de la falaise, sécurisation de la route par rapport aux risques provenant de la falaise. Alors, on a affaire à un chantier extrêmement complexe et donc passionnant. Alors cette sécurisation, elle consiste donc à éviter que les rochers et les pierres tombent sur la route, avec les techniques habituelles à la Réunion, qu'on connaît quand on passe par exemple sur la route du littoral, donc c'est les grillages, les filets, mais également les écrans dynamiques qui permettent de stopper tous les blocs à mi-hauteur et de les retenir pour éviter qu'ils ne tombent sur les voitures. Pour la journée d'aujourd'hui, ça se passe mieux qu'hier, parce qu'hier on avait quand même des petites casses sur des machines. Aujourd'hui, chacun trouvait son poste et son rôle, donc du coup, ça se passe au mieux. Et vous prenez la puce pour aller là-haut, Nana ? Hein ? Le chemin pour aller là-haut. Par là-là ? Dans notre métier, il n'y a rien qui est facile. On est dans les travaux spéciaux. Il faut juste faire gaffe à ce qu'on fait tous les jours. Il faut être très vigilant, ne pas être que vigilant sur soi-même et avec ses collègues. Et voilà. Cette falaise, elle est dans ce qu'on appelle un lambeau de forêt. Et c'est même une forêt mégatherme, c'est-à-dire une forêt des bas, des bois de couleur des bas. Avec beaucoup de chaleur tout au long de l'année, et donc une grande richesse d'espèces différentes, tant en termes de faune que de flore. Et donc protégée par la loi, et donc si on doit abîmer ces espèces pour mettre en place nos ouvrages de sécurisation, il faut mettre en face toute une batterie de mesures. Ça peut être des mesures de réduction des atteintes à l'environnement, des mesures compensatoires pour donc compenser les atteintes à l'environnement. Et toute cette batterie de mesures est mise en place et on pourra en parler pendant des heures. C'est un sujet passionnant.